Certaines personnes pensent que la vie se limite à ce qu'ils voient autour d'eux. Mais malheureusement, la vie s'étend plus que cela. Il faut juste apprendre à voir au-delà de ce que nos yeux nous montrent. Et vous verrez que la vie a plusieurs facettes. Aujourd'hui, nous vous rapportons l'histoire de ce vieil homme qui vit sans jambes. Étonnamment, il dit que bien qu'il n'ait pas de jambes, il n'en a pas besoin. Parce qu'il croit que tout ce qui sort du corps humain ne revient jamais. Il est père de famille, une famille de laquelle il doit s'occuper. Mais malheureusement, il n'a pas de moyens qu'il puisse travailler et leur donner les besoins de base quotidiens en raison de son handicap. Quand on lui a demandé comment tout cela est arrivé, il a accepté volontiers de nous raconter son histoire. Mais avant de vous relater cela, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Il est né normal. Il a grandi et est devenu un vrai homme au bout de quelques années. Il a trouvé une femme dont ils sont tombés amoureux. Ils se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble. C'était une chose dont ils étaient vraiment heureux. Ils ont tous les deux eu des enfants et ils vivaient le parfait amour. Il dit qu'ils vivaient loin de ce pays. Ils vivaient dans un pays voisin en Tanzanie. Ils étaient pauvres, ce qui signifie que le travail qu'ils pratiquaient n'était pas bien rémunérateur. Il travaillait dans un endroit où il déchargeait et chargeait des camions de nourriture pour ensuite les vendre dans les villes voisines. C'est là qu'il obtenait de l'argent pour prendre soin de sa famille. Mais sur une base quotidienne, ce n'était pas bon, mais il s'y était habitué. Un jour, il est rentré à la maison. Il était très heureux parce qu'il avait reçu son salaire du mois. Et le lendemain matin, il est retourné au travail comme d'habitude. Il travaillait trop, il n'avait pas assez de temps pour se reposer. Plus tard, ce jour-là, comme par magie, il s'est réveillé à l'hôpital. Il était choqué quand il a remarqué qu'il n'avait plus de jambes. D'après ceux qui ont vu l'accident, il traversait la route et il y avait un camion qui aurait perdu le contrôle et l'a renversé, l'écrasant les deux jambes au passage. Et quand le conducteur de ce véhicule a vu le drame, il s'est enfui. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Il était inconscient. Les médecins n'ont pas pu sauver ses jambes parce qu'elles étaient réduites en miettes et donc intraitables. La seule option qui restait était de la couper pour lui sauver la vie. Évidemment, ses deux jambes n'étaient plus là quand il s'est réveillé. Il était choqué de ne pas pouvoir sentir ses deux jambes et de ne pas pouvoir les voir parce qu'elles avaient disparu. Il s'est demandé aussi pourquoi il était à l'hôpital. Et quelques instants plus tard, sa femme est arrivée en pleurant. C'est à ce moment-là qu'elle a appris ce qui est arrivé à son mari. Elle était confuse, elle ne savait pas comment ils allaient faire pour vivre sans son soutien financier. Le vieil homme avait l'impression que la vie n'avait plus aucun sens pour lui, parce qu'il n'allait plus pouvoir travailler pour faire vivre sa famille. Il dit qu'après avoir pensé à tout cela, il a pris la pire décision de toute sa vie. Il a pensé à beaucoup de choses pendant qu'il était allongé sur le lit d'hôpital. Son traitement était cher et sa famille n'avait pas d'argent pour le payer. Un médecin qui venait toujours lui donner des médicaments a demandé l'argent pour payer les frais d'hospitalisation. Ce vieil homme a pris le temps de lui raconter l'histoire de sa vie. Et il a ensuite demandé au médecin de le tuer. Il a supplié le médecin de mettre fin à ses jours, parce qu'il savait qu'avec un tel handicap, il allait être un gros fardeau pour sa famille. Il avait un peu d'argent de son salaire. Il a donné cet argent au médecin afin de mettre fin à la souffrance et à la douleur qu'il traversait. Le médecin a accepté de lui injecter un sérum qui allait faire le travail. Un visiteur qui était venu le voir ce jour-là a remarqué ce qu'il tramait. Cette personne a vite couru vers sa femme et lui a raconté ce qu'il avait entendu. Elle a couru aussi vite qu'elle pouvait vers sa chambre pour lui parler. Elle l'a convaincu que cela était une mauvaise idée parce qu'elle était prête à vivre avec lui comme il l'est. Quand le médecin est venu pour finir le travail, ils l'ont arrêté. Ils ont utilisé le peu d'argent qu'ils voulaient donner au médecin pour payer les factures d'hôpital, ce qui a été fait, et ils sont finalement rentrés à la maison. Le vieil homme était déprimé, sa femme avait peur qu'il trouve un autre moyen de se tuer. Aucun d'entre eux ne travaillait. Ils étaient obligés de trouver un moyen de se nourrir, sinon ils allaient tous mourir de faim. Ils sont revenus chez eux, mais la vie n'était plus la même. La seule façon pour eux d'obtenir de l'argent était de s'asseoir dans les endroits très fréquentés comme les rues et les marchés et de mendier. Sa femme a commencé à faire des petits boulots occasionnels. Les enfants n'étaient plus à l'école. Plus tard, elle a réussi à les réinscrire à l'école avec le peu d'argent qu'elle a économisé. Il dit qu'il n'a pas réussi à donner une bonne vie à sa famille. Et les voir souffrir et travailler aussi dur pour gagner de la nourriture lui brise le cœur.
Il essaie de faire tout ce qu'il peut pour se rendre utile. Voici comment cet homme handicapé souffre avec sa famille. Il demande de l'aide pour obtenir un fauteuil roulant et pouvoir amener ses enfants à l'école, car ils ont du mal à se concentrer en classe à cause du travail qu'ils font pour gagner de l'argent. Les fonds qui seront utilisés pour acheter un fauteuil roulant à cet homme seront donnés via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos.